Aujourd'hui, je suis à Gozay et nous allons parler boulettes de Wallonie. On y va ? C'est un fromage qui sent bon, qui a du caractère. Donc il y a plusieurs étapes pour fabriquer ce fromage. Donc l'emprésurage, l'égouttage et puis après la fermentation dans un mignard en bois. L'affinage dure 48 heures pour ce fromage-là. L'idéal, c'est à l'extérieur du frigo à température ambiante, dans un endroit qui n'est pas trop sec. Donc à l'extérieur du frigo, dans une petite cloche à fromage. L'idéal, c'est sur une tartine de pain grillé avec un petit morceau de beurre, tout simplement. Mais il y en a juste un seul, c'est celui qu'on propose nature dans les diverses fermes de la région. À la ferme, à la boutique, à la ferme du pavé à Gozay. Celui qu'on produit à la ferme avec le lait de nos vaches qui se trouve ici actuellement.